Oui. Le cadre, vous m'avez dit que nous mangeons de l'autre côté là. Oui, oui. Ah, voilà. Reverendissimo padre, benvenuto. Buona Pasqua. Buon fede. Ah, buon fede, John Spacca. Depuis le 27 mai 2018, le provincial a convoqué le chapitre provincial de la vice-province Marie-Auxiliatrice ACC. Et depuis lors, nous avons commencé les préparatifs et nous voilà ici réunis pour célébrer cet événement provincial. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce vaste chantier sans pouvoir demander l'assistance de Dieu même, par son esprit, qu'il éclaire chacun des capitulaires pour que le travail que la province nous confie soit fait sous la guidance de l'Esprit de Dieu. Amen. Priez pour nous. Amen. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'accordant la parole dans cette auguste assemblée, à savoir les chapitres provinciaux. C'est ici l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des Salésiens de Don Bosco pour la nourriture spirituelle qu'ils ne cessent de partager avec nous. Chers pères spirituels, pour nous, Salésiens coopérateurs, au nom de qui je prends la parole en cette occasion événementielle, cette date du 23 avril est historique. Vous voici enfin réunis dans ce cadre de la province Afrique Congo-Congo ACC, Marie-Auxiliatrice, pour votre premier chapitre provincial, qui est un moment clé pour réfléchir, échanger, ajuster, orienter la vie de la province. Nous disons vraiment merci au nom de toutes les volontaires de Kinshasa et d'ailleurs parce que nous sommes un groupe qui dépend du centre, donc de Rome, et nous en avons fait part. Soyez impartial, nous vous en prions, pour que le fruit de ce qui va sortir du chapitre puisse cimenter notre province. Nous voudrions donc aussi, par cette occasion, au nom de tous les anciens élèves de Don Bosco de notre province, vous souhaiter une bonne fête des Pâques. Nous, les anciens, vos enfants, souhaitons vous revoir de plus en plus et toujours dans la cour de la création, à l'oratoire, sur le terrain des sports, pendant et après nos études, dans nos vies de chaque jour, pour que vive à jamais ces déclarations de Don Bosco. Je t'aime tellement que si un jour je n'avais plus qu'une bouchée de pain, c'est avec toi que je la partageais. L'apport est structuré en trois parties, à savoir, d'abord, la plus simple, quelques données historiques et statistiques de la province, le point 1, que vous trouvez dans la première page de la feuillet. 2. Les pas donnés, c'est le point 2 qui commence à partir de la deuxième page, et 3, les pas à donner à partir de la troisième. Si vous avez reçu tous, je crois, non, notre premier bulletin salésien,
et dans les pages 7 à 9, il y a cette partie-là, écho de la CC, préhistoire de la province malienne conciliatrice Afrique Congo-Congo. En ces trois pages, il y a quelques indications historiques de tout ce qui a précédé à la naissance de la province. Cette petite brochure est le fruit de longues heures au conseil provincial, des apports qui aura reçu des communautés et des commissions provinciales. Et c'est un produit, si l'on peut parler comme ça, hautement apprécié par les conseillers généraux. Nous voici déjà arrivés au dernier jour de notre premier chapitre provincial ACC. Et c'est avec une grande gratitude et reconnaissance au Seigneur, à la Vierge Marie Auxiliatrice, titulaire de notre province, et à tous les confrères et collaborateurs qui ont rendu possible la réalisation et le bon déroulement de ces chapitres que nous les couronnons. Depuis le mardi de l'octave de Pâques, 23 avril, nous nous sommes retrouvés dans la maison du Thérésianum Carme de Chaux de Quintambo, un groupe de 24 confrères, c'est aussi un effectif très symbolique pour la famille salésienne, dont 22 capitulaires et 2 confrères invités. Pendant 6 jours, nous nous sommes attelés à porter à terme l'agenda de travail propre de ces chapitres provinciaux, qui avait été convoqué par le provincial le 27 mai passé à la lumière de la lettre de convocation du 16 et 28. Depuis là, toutes les communautés de notre province ont travaillé sérieusement pour la préparation de ce chapitre qui aujourd'hui prend fin.
Nous avons pu d'abord approfondir le rapport que le provincial a fait sur l'état de la province avec un débat assez vif et intéressant. Et puis nous nous sommes attelés à l'agenda du chapitre où il y avait surtout la partie des sujets qui nous ont proposés à partir de Rome, notamment le noyau thématique du 16 et 28, un certain nombre de questions de nature juridique, et ensuite deux autres sujets qui étaient indiqués dans la lettre de convocation, à savoir l'approbation des critères qui vont régler ou orienter les réajustements provinciaux dans lesquels nous allons nous engager à la rentrée pastorale prochaine, et surtout le gros chantier de l'adoption de notre feuille de route, avec toutes les indications et orientations convenables pour toutes les dimensions de notre vie salésienne. Tous les confrères se sont mis avec un dévouement et un engagement fort notoire. Les débats ont été très intéressants, dans le sens qu'il y a eu un échange d'avis avec une grande franchise et liberté d'expression. La nôtre a été surtout une communauté priante. Nous avons commencé notre chapitre à la chapelle en invoquant l'Esprit du Seigneur pour qu'il éclaire nos échanges et nos débats. Et chaque jour, nous n'avons pas manqué de nous retrouver en chapelle matin et soir pour continuer à invoquer cette présence du Seigneur. Il faut dire que notre communauté provinciale s'est vue aussi soutenue, encouragée et stimulée par la présence et la fraternité des autres membres de notre famille. Nous avons ouvert le chapitre avec des représentants des filles de Marie Filatrice, la provinciale elle-même y comprise, non, des volontaires de Don Bosco, VDB, des salésiens coopérateurs et des anciens de Don Bosco. Eux tous ont manifesté dans leurs interventions leur intérêt pour nous appuyer, nous soutenir, surtout avec la prière pour que l'Esprit du Seigneur ne manque pas de nous éclairer et nous orienter. Je crois qu'au terme de ce chapitre, nous ne pouvons que tourner nos cœurs vers le Seigneur pour lui dire un grand merci. Il nous reste les dernières heures de cet après-midi et demain matin, dans lesquelles nous allons tout d'abord rendre public les résultats des votes qui ont été faits ce matin par rapport aux documents, et puis conclure avec quelques indications pratiques et les mots de clôture du provincial. Demain, l'Eucharistie finale couronnera le chapitre. Nous voulons effectivement dire notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné de vivre en ces 6 jours qu'on a partagé dans cette maison. Nous avons aussi accueilli avec joie et reconnaissance le choix de notre délégué provincial pour le chapitre général 28, dans la personne du père Alfred Icecchi, vicaire provincial et régulateur, et l'élection aussi de son suppléant, le père Joachim Chamoukeke, notre délégué provincial pour la pastorale des jeunes et pour la communication sociale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Je crois qu'il y a un sentiment de satisfaction dans le cœur de tous les capitulaires. Rendons grâce à Dieu parce qu'il fait de notre famille provinciale une belle province dans laquelle nous pouvons rendre toujours vivants le cœur et le visage de Don Bosco. C'est moi le scribe avec mon Dieu. C'est-à-dire, oui, je suis le plus jeune. Icecchi Alfred. Chamoukeke. Joachim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je me tourne vers mon vicaire, non? Et révélateur, disons, provincial, pour lui demander s'il veut vivre l'aventure du 16 et 28 pour en être après l'ambassadeur auprès de notre province. Par la force de l'Esprit Saint. C'est lourd, mais bon, c'est la volonté qui a été exprimée, j'accepte. Être élu délégué suppléant, on se tourne vers l'élu pour demander son acceptation et sa disponibilité. À la volonté de Dieu, j'accepte. Yeah!
par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es